Du coup, salut à toutes et à tous, on va se retrouver aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, je vais vous apprendre à jouer comme Skyheart. Alors, vu que c'est une vidéo sur Skyheart, il y a un giveaway de 800 RP. Pour ça, vous devez laisser un gros pouce bleu, pas un petit pouce bleu sinon ça marche pas. Vous devez aussi laisser un commentaire et vous abonner à mon Twitter. Et je ferai le tirage à 50 000 abonnés. Je tiens à le préciser, ça va être impossible que moi je vous apprenne à jouer comme Skyheart, puisqu'il se trouve quand même à 9 sur l'échelle de Briggles de l'eSport. Je vais essayer de vous donner une approximation. Je vais vous faire vous rapprocher de son niveau, mais. Et surtout, je sais même pas jouer Nidalee. J'ai un niveau négatif sur Nidalee. Enfin bon, on est parti. Je suis Skyheart. Je porte des chemises et je déteste Wukong. Je déteste Wukong. Wukong champion de merde. Alors du coup, on est avec un Darius en top lane. Une Darius en top lane qui s'appelle Julia. Julia. Skyheart n'aurait pas fait ça, c'est totalement gratuit. On est avec un Zilean et une Ashe bot lane. Alors Ashe, très bon perso, qui met des petites salves. Ouais, faut commenter tous les champions. Ok, let's go. Ok, j'ai vraiment l'impression de savoir jouer, ça c'est cool. Et de ne pas cancel toutes mes autos. Mais... il est impossible ce champion. Mais au secours! Nidalee c'est vraiment un super champion en ce moment. Je déconne, c'est pourri. Si vous jouez comme Skyheart, quand vous faites du second degré, vous devez toujours expliquer que c'est du second degré même si c'est évident. Par exemple, regardez. Alors ça c'était un très bon flash. Hein. Je déconne, c'était un flash pourri, faites pas ça. Bon du coup j'ai plus de flash, mais c'est parce que je vous ai montré l'exemple. Il y a peut-être une autre question que vous vous posez actuellement. Vous demandez peut-être, Foots, est-ce qu'elle serait pas horriblement inconfortable cette position? Alors déjà oui, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Mais ça fait partie de la stratégie de Skyheart en fait. Le fait d'être dans une position inconfortable, ça vous force mentalement à finir la game le plus vite possible. Et donc à tenter plus de choses, ce qui vous fait jouer mieux. C'est logique. Ok, c'est un niveau 3 qui atteint. Je vais pouvoir gank maintenant. Où êtes-vous? Hey! Mais ça! C'était vraiment à pas grand chose de toucher. Putain, je vous jure, mon niveau sur Nidalee, il est aussi nul que Wukong. Wukong, c'est vraiment un champion de merde. Je sais pas si je vous l'ai déjà dit. C'est pas ce qu'il est. Nidalee, c'est bien, c'est un... ce qu'il est, c'est pas facile à jouer, mais vraiment, Wukong... waouh, wow, vous rendez compte qu'il y a des gens qui jouent Wukong. Imagine, t'as mon niveau et tu te permets de counter jungle en plus. Putain, qu'est-ce que je peux détester Wukong, quand même. Oh! Mais... oh! Mais qu'est-ce que je fais à monter le Z, moi? Je sais même pas quelle soirée comme ça. Putain, je sens que j'ai le pouvoir de Skyheart, là. Et ce micro qui arrête pas de tomber, là. Évidemment, comment vous voulez qu'il tienne sur mon ventre, comme ça? Bah oui, bah réfléchissez avant de poser tes questions. Bon, idéalement, faudrait que je commande tout ce que je dis, tout ce que je fais. Ok, let's go. Donc là, je vais faire le blue buff. Je vais pas le donner à mon midlaner parce que je l'aime pas. De toute façon, je suis meilleur que lui chez Skyheart. Hey! Eh oui, réfléchissez. Je vous l'ai déjà dit de réfléchir avant de poser des questions. Par contre, je vais vraiment être amputé des jambes à la fin de la vidéo si je continue de m'asseoir comme ça. Mais vous, si vous êtes plus courageux que moi, vous pouvez vraiment vous asseoir comme ça. Hein. Ça vous aidera à gagner. J'ai un corps de lâche comme Skyheart, donc c'est pour la vidéo. Hein. Dans les autres vidéos, je suis super musclé, vous pouvez vérifier. Ok, du coup, on repart en topside. Là, il y a ma botlane qui se fait défoncer, mais c'est pas grave. Ah, mais c'est Fiora ? Fiora qui tente de me counter jungle, j'arrive pas. Pourquoi elle fait ça? Hop là. Tu m'attraperas jamais mon bro, je joue Nidalee. Ah. Ok, donc là je suis mort par exemple, parce que je comprends pas vraiment mon champion. Skarner, vraiment bon champion, un champion que je conseille pour monter bon scat. Ok. Bon, imaginez que je suis en 4-0 là. Skarner, il sera en 4-0 et le reste vous faites comme je fais. C'est pas grave, ça peut arriver. C'est quand même quelqu'un de positif, Skarner. Je pense qu'il dirait ça. Il dirait que ça peut arriver. Même si normalement il meurt pas vu que c'est Skarner. Nice, ça c'était propre ça. J'ai appuyé sur toutes mes touches et ça a marché. J'ai mis mid lane. C'est... ouais. Parfait. Merci Zelan. Mais il y a quand même une sacrée haine envers moi. Putain, qu'est-ce que je peux détester, Wukong. Ok, donc là j'ai tué absolument personne.
Ok. Si vous jouez comme Skars, faut tenter des moves. Faut pas rester sans rien faire et jouer safe. Faut tenter des trucs pour pouvoir les rater et apprendre de ses erreurs. Bon là, en l'occurrence, Skars, il fait plus d'erreurs, mais c'est ce qu'il faisait autrefois quand il faisait encore des erreurs. Non, mais arrêtez un peu. Mais ça arrête jamais. Moi, je m'en fous, hein, je poste la vidéo même si je fais un 6. De toute façon, je ferai un 6 à toutes les games puisque je sais pas jouer Nidalee. Ok. Ok. Là, je suis mort. Et là, si j'étais fit, je l'aurais tué, par exemple. Donc là, j'ai bien joué. Non, sur N, pas. Faut jamais sur N. Surtout, en fait, à cet elo, on peut toujours gagner, c'est ça qui est bien. Et même un AFK, à cet elo, on peut gagner. Je sais pas en quel elo je suis, mais Skart, il dit tout le temps ça. Et il a pas tort. Lâche-moi. Lâche-moi. Pitié. Laisse-moi tranquille. Il sait pas que je suis passé par là. Il ne se doute de rien. Ok, c'est pas le moment de se louper. Nice. Et je leur fais perdre un temps précieux. Il va me lâcher un jour? Mais mec, il passe son temps ici. C'est injouable cette game. Hein. Regardez tout ce qu'ils donnent pour me tuer alors que je suis un 1-9. Que je leur rapporte 8 gold. T'as avoué quand même que vous y avez cru quand j'ai mis le first blood. Même moi, je m'y suis cru. Oh! Nice! Nice, des damage. Ah, oh, mais c'est un doublé! Le penta. Ah, c'est pas un doublé? Un officiel doublé? Ça, c'est une mort par contre. C'était clairement un manque de chance cette game. Non, on peut la gagner. Faut jamais sur N d'Astelon. Ah, il sur N, putain, j'allais la gagner et. Non, je suis le seul à voter contre et elle était gagnée d'avance cette partie. Ça, c'est vraiment pas de chance. En tout cas, ce qu'il y a à retenir de cette partie, c'est que c'est vraiment au Wukong, c'est pas un champion skillé, c'est pas un champion que j'apprécie. Par contre, Shyvana et Udyr, ça j'aime bien, ça c'est skillé.